狼。Et salut tout le monde, c'est Playmo. Aujourd'hui, on va voir comment apaiser plutôt rapidement le taureau enflammé. Alors déjà, on va se débarrasser de ce garde, et puis les autres, non, on va les laisser se faire faucher par le taureau, tout simplement. Alors la technique, ça va être dans un premier temps d'essayer de mettre beaucoup de distance entre nous et le taureau. En fait, à une certaine distance, le taureau va faire toujours la même attaque, c'est-à-dire qu'il va charger vers nous, tête baissée, quoi. Et alors au moment où il va nous frapper, il va falloir faire une garde parfaite, ou garder tout simplement. Ça va le stun en fait pendant quelques secondes, et on va pouvoir lui frapper la tête avec le katana pendant 3 coups. 2 c'est pas mal, 3 max, et après c'est dangereux. Alors évidemment ses cornes sont enflammées, du coup on va prendre quelques dégâts en gardant, mais c'est pas très grave parce que on aura fini le combat avant que notre barre de vie soit vidée. Lui en attendant on va lui faire monter sa barre de posture très rapidement. Alors voilà, on va répéter cette technique là jusqu'à ce que sa barre de posture soit complètement remplie et on va pouvoir lui mettre un coup critique pour l'achever. Faut savoir qu'il y a aussi une technique qui consistait à utiliser les pétards pour l'effrayer et puis frapper dans son dos. Mais il prend beaucoup moins de dégâts de posture dans le dos. Là, en tapant sa tête, la barre elle monte très très vite. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura été utile. À vous de jouer maintenant et je vous dis à la prochaine.